tus caminos perdidos se cruzan entre tú y yo. Aceleras mi pulso y me tiembla la razón. Cuando estoy junto a ti yo me siento mucho mejor. Las fronteras se borran, no hay más que pasión. Se entrelazan las vidas que sin esperanza soñamos vivir. La ilusión de al fin encontrar un amor que encienda. Sébastien, je la connais si bien que je peux vous garantir que Grecia n'a vraiment aucune pitié. Qu'elle est cruelle, froide, ambitieuse. Et surtout, une menace pour Valeria. Qu'est-ce qui se passe, Sébastien? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Qu'est-ce que t'a raconté cet homme sur moi? Ah, mais Soledad, qu'est-ce qui te prend de parler comme ça, avec autant d'impertinence à Monsieur Vargas? C'est comme si c'était ton mari ou un truc dans le genre. Va-t'en, Guadalupe, va-t'en, ou je vais m'énerver. Allez! Rolando! Rolando! Ouvre-moi! Rolando, ouvre! Rolando! Où est-ce que tu vas avec ce pistolet? Tu ne vas pas faire une bêtise! Rolando! Rolando, écoute-moi! Tu as ici tous les quotidiens d'aujourd'hui, German. Merci. Ce n'est pas un journal à scandale, par hasard? Oui, et je t'ai dit que j'ai entendu une rumeur et que je veux la vérifier. Une rumeur sur quoi? Victor Urdaneta n'est pas l'avocat irréprochable que nous pensions tous connaître dans cette ville. Découvrez ce que cache son sombre passé. Sébastien, je t'en supplie. Je suis extrêmement inquiète depuis que j'ai appris que ce type enquêtait sur moi. Bien sûr, maintenant, je comprends pourquoi je me sentais si observée. Dis-moi, qui est-ce? Grecia, cet homme en impose à tous ceux qu'il connaisse, même sans révéler son identité. Oui, j'ai bien compris que seule une poignée de gens le connaissent. Tu comprendras que je ne peux pas trahir ma parole de gentleman. Je lui ai promis que j'allais garder le secret. Mais mets-toi à ma place. Victor m'a dit que cet homme que je ne connais même pas est mon ennemi juré. Et tu n'as aucune idée de qui ça peut être? Et pourquoi devrais-je en avoir une? Parce que tu as l'air de tenir à ce que t'a dit Victor pour acquis, Grecia. Tu sais, on connaît toujours le visage de ses ennemis. Surtout quand ils surgissent du passé. Ça, par exemple... Est-ce que tu crois que tout ça est vrai, German? Tu en doutes? La déclaration de cette pauvre femme est très claire. Oui, eh bien, Grecia doit être mise au courant immédiatement. Mais tu sais qui d'autre? La police. Parce qu'elle s'entête à faire de moi un ennemi de Sébastien. Et regarde. Ah, ça, c'est sûr que la vérité finit toujours par éclater au grand jour. Et c'est bien normal. Et en voilà la preuve. Victor Urdaneta n'est pas un névrosé à qui l'on doit tout passer. C'est un homme sans scrupules. Tu as raison. Il pourrait bien être le pire ennemi de Sébastien. Angela, il faut que je montre ça au commandant Cantu. Tu veux que je l'appelle? Oui. Qu'il vienne au bureau. On verra si, avec ça, il se rendra compte que je n'ai jamais fait de mal à personne. Et s'il me laissera tranquille. Ah.
Monsieur, une certaine Herminia voudrait vous parler. Elle dit que c'est très urgent. Un ennemi qui surgit du passé ? Autrement dit, à cause de ce type, tout le monde s'obstine à dire que je cache quelque chose de mon passé. Qui ça, tout le monde ? Tous ceux qui ont déjà vu son visage. Rolando, Victor, et maintenant, même toi, tu me le fais comprendre. Si je t'ai forcé, je tiens à m'excuser. Ce n'était pas mon intention, Gracia. Sébastien, cet homme s'est mis en contact avec vous tous pour vous dire que je cache quelque chose de mon passé, n'est-ce pas ? Gracia, je n'avais jamais vu le visage de cet homme avant hier. Et puis, on ne s'était jamais parlé. Mais tu vois, tous mes ennemis se trouvent dans le présent, et toi, tu les connais. Ce sont ceux qui écoutent les mensonges de cet homme. Mais toi, toi, Sébastien... Mais je n'ai pas l'intention d'écouter les mensonges de quiconque. Gracia, de quiconque. Et d'ailleurs, ça me fait beaucoup de peine que tu penses ça. Si c'est le cas, je te demande dans ce cas de ne pas me juger sur ce que disent mes ennemis, mais pour ce que je suis. Et crois-moi, j'ai bien assez de discernement pour juger les personnes pour ce qu'elles sont. Ouais, pour leurs actions, Gracia. Eh bien, j'espère que les miennes ont pu te démontrer que grâce à toi, je suis une autre femme. Une femme qui est prête à tout te donner dès que tu me le demanderas. Pourquoi tu restes planté là ? Laisse-moi seul. Allez, va-t'en. Espèce de sale petit fouineur. Herminia Rasso, ça faisait longtemps que tu ne m'avais pas appelé. Ça doit être véritablement une urgence pour que tu me contactes. Monsieur Cabrales, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais en ce moment même, j'ai une femme chez moi qui m'a posé des questions sur Dulce Maria. Elle dit être sa fille. Elle s'appelle Valeria. Vous la connaissez, c'est ça ? Alors, c'est bien sa fille. De quoi tu parles ? Monsieur Cabrales, je ne savais pas que Dulce Maria avait eu une petite fille qui, en plus, a exactement le bon âge pour avoir été conçue quand Dulce Maria habitait avec vous. Monsieur Cabrales, vous savez que je peux avoir beaucoup de problèmes. Croyez-moi si cette jeune femme continue à enquêter sur cette histoire. Je le sais au moins autant que toi, Herminia. Oh, je n'aurais pas dû autoriser la sortie de Dulce Maria. Mais tu l'as fait. Et je t'ai très bien récompensé pour ça. Et donc tu n'as pas d'autre choix que de suivre mes instructions. S'il vous plaît, comprenez-moi. Je fais des démarches pour obtenir ma pension. Herminia, stop, contrôle-toi. Quand est-ce que je t'ai laissé tomber ? Non. Jusqu'ici, jamais, c'est sûr. Ce que tu dois faire, c'est dire à cette jeune femme que tu ne sais absolument rien. Mais elle ne voudra pas me croire. Tu n'es pas obligée de te souvenir de tous les jeunes qui sont passés par le foyer ces 28 dernières années. Eh bien, oui, certainement. Mais si elle continue à enquêter sur une autre piste... Je t'expliquerai plus tard ce qu'on va faire. Mais pour l'instant, fais ce que je te dis. Très bien, Monsieur Cabrales. Je le ferai au nom de notre amitié. Et je saurai te récompenser à nouveau. Oh, Jennifer, stop ! Arrête de me mettre des choses dans la tête. Pourquoi tu doutes de cette femme ? Parce qu'on se reconnaît entre gens malhonnêtes. Non, ce serait plutôt à elle de devoir se méfier de nous, de parfaites inconnues qui arrivent comme ça, à l'improviste, chez elle. Non. Tu dis ça parce que tu es une gentille petite fille. Allez, écoute-moi. Je suis mauvaise, ok ? Et je vois bien que la vieille, elle l'est aussi. Eh bien, j'espère que tu te trompes. Parce que ma chance de savoir où se trouve ma véritable mère repose sur elle. Tu comprends ? C'est dommage qu'on n'ait pas un centime. Franchement, ça se voit que la vieille pourrait facilement s'acheter, tu sais. Oh, Jennifer, même si j'avais de l'argent, jamais je ne l'utiliserais pour obtenir ce que je veux. Et après tous les problèmes que tu t'es déjà attirés, je ne crois pas que ce soit le moment de le faire pour toi non plus. Franchement, Valeria, tu es vraiment... Tu es tellement honnête que tu me donnes des boutons. Je t'en prie. Vous avez lu les pages du dossier de Dulce Maria Rios, madame ? Dites-moi que vous vous souvenez de quelque chose. Ah, oh, jeune fille, tu m'accables avec toutes pardon, tes questions. Pardon, c'est que... Regardez comment je suis. Je ne peux plus contenir mon émotion quand je pense que je suis tout près de retrouver ma mère. Ah, jeune fille. Valeria, c'est ça ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi cette tête ?
Eh bien, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Jiménez ! Dépêche-toi un peu. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui t'arrive encore ? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça ? Monsieur, vous ne croyez pas que vous auriez mieux fait de tout raconter à Monsieur Montesinos ? Ah, tu recommences avec ça. Combien de fois je vais devoir te dire que je ne te paye pas pour écouter tes opinions stupides ? Il est parti avec beaucoup de doutes. Maintenant, le pauvre se méfie de tout le monde. De Grecia, de vous, de... Et qu'est-ce que tu voulais que je lui dise ? Pour commencer, que le véritable nom de Grecia del Sol est Dulce Maria. Ah oui. Et pendant qu'on y est, on aurait aussi pu lui dire que Dulce Maria était ma femme. Qu'ensuite, elle m'a trahi et qu'elle a voulu me tuer et qu'elle n'a pas réussi. Hein ? Oui, monsieur. J'aurais bien aimé que vous racontiez tout ça à Sébastien. Mais avant tout, que vous lui disiez que vous êtes le père de Valeria. Comment ça se fait que vous ne vous souveniez pas de Dulce Maria ? Oh, ma pauvre enfant. Tu sais, je suis très vieille et c'était il y a longtemps. Ça fait plus de 28 ans. Bon, mais... Sinon, vous reconnaissez son dossier ? Oui. Il correspond à l'époque où vous étiez directrice de ce foyer ? Oui. Les copies sont bel et bien authentiques. Cette jeune femme était très certainement là-bas. Je ne dis pas le contraire, mais je ne me souviens plus d'elle. Non, s'il vous plaît, faites un effort. Écoutez, madame, vous êtes la seule et unique option que mon ami a pour retrouver sa maman, ok ? Soyez gentille, donnez-nous un coup de main. Vous comprenez ? Bien sûr que je vous comprends. Mais comment voulez-vous que je vous aide, si je ne me souviens de rien ? D'accord. Écoutez, madame, on va supposer que nous aussi, on a envie de vous aider, ok ? Enfin, si ça vous intéresse, bien sûr. Qu'est-ce que tu essayes de me dire ? Jennifer. Eh bien, on pourrait peut-être se débrouiller pour trouver de l'argent, non ? Et de cette façon, vous vous rappellerez peut-être d'un truc important. Explique-moi comment tu veux que j'aille dire à Montesinos que Valeria est ma fille. Eh bien, comme ça, directement, comme vous me l'avez dit. Si tu veux savoir, ça ne l'aidera pas du tout à retrouver Valeria. Écoutez, monsieur, si vous voulez vraiment l'aider à la retrouver, pourquoi garder autant de secrets ? Même moi, je commence à avoir des soupçons sur vos motivations. Tu sais parfaitement que je veux retrouver Valeria. Mais je ne sais pas pourquoi. Votre haine pour Grecia est si grande, et vous voulez tellement vous venger d'elle, qu'un de ces jours, vous seriez capable de passer outre la pauvre Valeria pour y arriver. C'est de ma fille dont tu parles, Jiménez. Celle que j'ai protégée et aidée, même sans savoir qui elle était. Tu crois que je vais la détruire maintenant que je sais qu'elle est de mon sang ? Honnêtement, oui. Parfois, j'en ai l'impression. Je comprends que tu veuilles aider ton amie. Mais si je dis que je ne me souviens de rien, c'est parce que je ne me souviens de rien. Alors, s'il te plaît, ne me manque pas de respect. Non, mais ce n'était qu'une simple supposition de ma part. Je n'ai plus rien à vous dire. Alors, je vous conseillerais de ne pas perdre votre temps avec moi. Excusez mon amie, madame. Très bien. Je vous pardonne. Maintenant, je vais vous demander de partir. Je suis vraiment désolée pour vous, vous savez. Et j'espère que vous retrouverez très vite votre maman. Mais je ne peux absolument rien faire pour vous. Je comprends. Merci. Au revoir. Allons-y. Je n'ai pas dit la vérité à Sébastien pour une raison très simple. Valeria a entièrement le droit d'être la première à l'apprendre. Et moi, son père, à lui dire. C'est vrai. Mais je n'arrive toujours pas à croire que vous, qui ne vous êtes jamais laissé commander par vos sentiments, vous l'ayez fait pour ça. Et les 28 années que j'ai passées à rechercher Dulce Maria, les mêmes que j'ai passées à croire que ma fille était morte, ça ne te dit rien, ça ? Si, bien sûr. Je suis le seul à pouvoir décider avec qui je veux partager ce secret. Eh bien, j'espère que ce moment n'arrivera pas trop tard. Je vais retrouver Valeria plus vite que tu ne le crois. Et si ce n'était pas le cas ? Tout serait plus facile si vous disiez à Grecia que Valeria est effectivement sa fille. Ça l'empêcherait certainement de vouloir la tuer. Ou au contraire, ça pourrait justement rendre la haine et la rancœur de Grecia encore plus grande. Suivez-moi ! Où se trouve Germaine ? Mais monsieur Vargas, qu'est-ce qui se passe ? Réponds-moi, où est Germaine ?
Grecia ne peut pas être impitoyable, au point de continuer à détester Valeria, même en sachant qu'elle est sa fille, n'est-ce pas? Si tu en doutes, c'est que tu n'as rien compris, encore une fois. Cette femme me déteste, elle a voulu me tuer. Qu'est-ce qu'elle ressentira pour cette fille qu'elle a eue avec moi? Je n'y avais pas pensé. Elle va la détester encore plus. Parce que Valeria va révéler au grand jour ce passé qu'elle a voulu enterrer. Valeria est ma fille. Et mon visage défiguré est la preuve des crimes de Grecia del Sol. Dans ce cas, cette pauvre enfant a plus que jamais besoin de vous. En effet, Valeria aura la protection de son père. Baisse cette arme, Rolando. Non. S'il te plaît, baisse-la. J'ai aucune idée de ce qui se passe, mais je te jure qu'on peut régler ça entre nous de façon civilisée, Rolando. S'il te plaît. Je traite les animaux comme ils le méritent. Mais toi, tu es pire que ça. Tu es une vraie bête. Rolando, on est dans l'entreprise, s'il te plaît. Calme-toi, je t'en prie. Non, je ne me calmerai pas. Quand j'ai appris que tu couchais avec Grecia, je t'ai frappé. Maintenant que je sais que tu as aussi été capable de coucher avec ma propre fille, Elena. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'Inaki agissait bizarrement? Bien sûr, Inaki peut te mettre la pression parce que tu ne sers à rien, n'est-ce pas? Et comment j'étais censé faire? Sa Majesté ne daigne même pas venir me parler. Oh, c'est bon, Enrique, change un peu de disque. Et toi, change ton attitude envers moi. Tu ne réponds jamais à mes mails. Je t'envoie des messages par chat, des SMS et tu les ignores. Il ne me reste plus qu'à te faire des signaux de fumée. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans le fait que je sois chef d'entreprise et que mon temps soit consacré au groupe Del Sol? Au groupe Del Sol? Ou à ta romance de plus en plus visible avec Germaine? Ne tirez pas, Monsieur Vargas! Ne vous rendez pas coupable d'un meurtre! Rolando, je te jure... Ne me jure rien! Je ne te pardonnerai jamais d'avoir abusé de ma propre fille! Monsieur Vargas, s'il vous plaît, baissez votre arme. Je vous en prie. C'est pour votre propre bien. Vous n'avez absolument pas besoin de vous mettre dans cette situation. Écoute-moi bien, Germaine. Je ne veux plus te revoir dans mon entreprise. Tu es renvoyé. Et je t'interdis également de remettre un pied dans ma maison, c'est compris? Si tu t'approches à nouveau de ma fille Elena, je te jure que je moquerai de passer le reste de ma vie en prison. Je te tuerai! Ne parle pas de ça devant les gens, ok? Ils doivent tous penser que c'est toi, mon petit ami. Et tu es très bien payé pour faire semblant de l'être. Je ne dis pas ça pour moi. Mais on verra bien si un de ces jours, ce petit jeu ne se retourne pas contre toi. Oh, je t'en prie. Tes parents ne sont pas idiots. Et surtout Grecia, je n'ose pas imaginer ce qu'elle te ferait si elle l'apprend. Ça n'arrivera pas. Parce que personne n'est au courant pour Germaine et moi. Tu es sûre? Personne ne s'en est rendu compte? Eh bien, si, cette pauvre cruche de Soledad. Mais elle préférait mourir plutôt que de le dire, donc. Ce sont des calomnies, Rolando. Dis-moi, s'il te plaît, dis-moi qui t'a raconté ces mensonges. Quelqu'un en qui j'ai aveuglément confiance. Et on me l'a dit parce qu'Elena l'a révélé. Mais ce n'est pas possible. Je sais qu'Elena aime bien vous provoquer. Mais jamais je n'irai me mettre dans cette situation. Avant qu'on te mette dehors, tu vas m'écouter jusqu'au bout. Tu n'es qu'un vaurien qui a couché avec mon épouse. Et quand elle est tombée sous le charme de Montesinos, tu t'es rabattu sur ma fille. Mais c'est complètement faux. On va parler à Grecia, non. À Elena. Non. Rolando, elles ont le droit de s'exprimer parce que tu les calomnies. C'est ta propre famille. J'espère. J'espère que Soledad a gardé ton secret. Parce que c'est très bizarre. On dirait que tu es sa fille. Bon, ça suffit. T'étais en train de me dire que Germaine croit qu'Inaki pourrait savoir où est Valeria, non? Non. Je t'ai dit que ton Germaine m'a demandé de le surveiller juste au cas où. Dis donc. Il est franchement hyper intelligent. Oui, hyper intelligent. C'est vrai, tu sais. Je n'y avais pas pensé, mais c'est super logique. Inaki habitait avec Valeria et avec l'autre curé. Donc il est très probable qu'elle lui fasse confiance. Et ça causerait sa perte.
Grecia a insisté pour venir avec moi au bureau. Elle voulait te demander quelque chose, Hector. Je t'écoute, Grecia. Il s'agit de mon divorce, Hector. Je crois que maintenant, j'ai une solution pour l'accélérer un peu. Oh. Si vous voulez, allez dans mon bureau, vous serez plus à l'aise là-bas. Mais tu as un appel. Réponds si tu veux, je peux attendre. Non. C'est l'entreprise, je rappellerai plus tard. Je suis sûre que je n'ai aucun rendez-vous de programmé à cette heure, alors... Laissons Rolando s'en occuper. On va voir comment il s'en sort sans moi. Je vous en prie. Ah, c'est le répondeur. Allô, Grecia? Ici Angela. Tu dois absolument venir tout de suite à l'entreprise. Il risque d'y avoir une guerre et tu es la seule à pouvoir l'arrêter. Tu crois que tu vas pouvoir t'en sortir avec ta petite hypocrisie? Jamais! Je ne suis pas venu t'écouter, je suis venu te tuer! Je crois que je ne mérite pas ça. Ah non! Après toutes ces années à consacrer ma vie à cette entreprise. Tu le mérites et tu mérites bien pire! Et doucement. Tu sais quand tu parviendras à retrouver un travail comme celui-là? Jamais! Mes connaissances ne voudront jamais d'un traître dans leur entreprise. Je crois que la moindre des choses pour Grecia, c'est qu'elle sache ce qui se passe ici. J'ai dit ce que j'avais à dire. Emmenez-le. Non. Je veux pas causer de problème. Mais tu commets une grave erreur. Une grande injustice. Rolando, je ne suis pas ton ennemi. Et jamais je ne manquerai de respect à ta fille. Tu es pire. Allez, emmenez-le. Oh, Rolando. Oh, faites qu'il ne se soit pas attiré de problèmes. Tout ce qui se passe en ce moment, c'est ça. C'est ça qu'on voulait éviter. Notre pire cauchemar s'est réalisé. Elena sait maintenant que je suis sa mère. Et elle me déteste. À cause de cet amour si grand que je lui porte, je suis incapable de l'empêcher de continuer à s'attirer de nouveaux problèmes. Oh, Elena va savoir que j'ai tout raconté pour Germain. Elle va découvrir que je l'ai trahi. Et maintenant, je sais qu'elle va encore plus me détester. Allô? Sébastien. Oh, Dieu merci, tu as répondu. C'est Angela. Excuse-moi de te déranger, mais je dois absolument parler à Grecia et je me suis dit qu'elle pouvait être avec toi. Oui, Angela. Elle est ici au bureau avec Hector. Est-ce que tu veux que je te la passe? Non. Il n'y a pas de temps à perdre. S'il te plaît, transmets-lui mon message. Eh bien, si tu as pris ta décision, allons-y. Je m'occupe d'authentifier le transfert des actions de Rolando à ton nom pour que tu puisses les gérer toi-même. À la condition que l'on signe les papiers du divorce. Bien entendu. Et je te charge aussi de l'acte notarial où je m'engage à ce qu'à ma mort ou à ma retraite, l'unique héritière de mes biens soit ma fille unique, Elena, bien sûr. Compte sur moi, Grecia. Hector, j'ai encore une petite chose à te demander. J'ai besoin que tu m'aides à enquêter sur l'étrange affaire de Sébastien. Hector, je ne te le demanderai pas s'il ne s'agissait pas d'une chose grave. Et j'ai très peur parce que... Excusez-moi pour l'interruption. Grecia, Angela a besoin de toi de toute urgence. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'entreprise? Oui. Et c'est très grave. Ton mari a perdu la tête et menace Germain au beau milieu du hall d'entrée. Et le problème, c'est qu'il le fait avec un pistolet. Mademoiselle, je n'ai pas de rendez-vous, mais j'ai besoin de parler à la directrice. C'est urgent. Attendez, je vais voir ce que je peux faire. Merci. Écoute, je sais que je suis venue avec toi parce que j'ai bien voulu, parce que je ne voulais pas te laisser seule, mais bon... On pourrait nous trouver ici. Jennifer, je m'en fiche. Je veux retrouver ma mère. Ah, c'est bon, je ne dirai plus rien. S'il te plaît. Valeria, qu'est-ce qui vous arrive ? Herminia Rasso ne savait rien. Elle ne se souvient pas de Dulce Maria. Ah, vraiment, je suis désolée. Dans ce cas, il n'y a plus rien à faire? Il y a quelque chose à faire, c'est pour ça que je suis là. J'ai besoin de votre aide, encore une fois. Ah, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Je vous en supplie, donnez-moi l'autorisation d'examiner les fichiers des autres jeunes qui se trouvaient au foyer quand Dulce Maria était pensionnaire. Je sais que l'un d'eux pourrait me donner une piste qui pourrait me servir à la retrouver.
Eh bien... Rolando est devenu fou ou quoi? Mais qu'est-ce qui lui prend? On peut aider? Non, 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 non. Merci, Hector. Ah, et puis écoute, s'il te plaît, accompagne-moi, Sébastien. Je ne sais pas comment gérer une situation de ce genre, très franchement. Attends, Gracia, je ne peux pas t'accompagner. Je crois qu'il n'y a que toi qui puisses régler ce problème. Le problème qu'il y a entre German et Rolando. Mais c'est que... Attends, écoute, si je me mêle de ça, ce serait comme leur confirmer toutes ces fausses idées qu'ils ont sur moi. Qu'il y a quelque chose entre nous. Sébastien, s'il te plaît, c'est un service exceptionnel que je Gracia, te demande. Par respect pour notre relation et pour la relation que j'ai avec Valeria, je ne m'en mêlerai pas. Très bien, je ne vais pas t'y obliger. Vous êtes la seule à pouvoir m'aider. Je comprends bien, mais c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Tous ces jeunes gens sont devenus des adultes maintenant. Mais oui, ils doivent tous avoir environ, je ne sais pas, l'âge de la mère de Valeria, non? Ou plus? Oui, et je sais que certains ne vivent même plus dans cette ville. On n'a même plus de nouvelles de la oui, majorité. Oui, je comprends, mais vous avez leur nom. Oui, c'est probable. Je vais vous épargner les démarches administratives. Je vais tout de suite appeler la directrice du foyer pour qu'elle nous envoie cette liste, si jamais elle existe. Ça me suffira largement, parce qu'un seul d'entre eux peut me dire ce dont j'ai besoin. Ah, Valeria, cette recherche, ça peut vous prendre des années. Elle peut bien me prendre toute la vie, madame. Ma conscience ne me laisserait pas tranquille en sachant que ma mère est quelque part et que je ne la cherche pas. Tiens, ma grand-mère est partie chez le médecin. Et elle a emmené Camilla. Oui, parce que c'est une bonne petite fille qui aime prendre soin de son arrière-grand-mère. Oui, ma filleule est un ange. Je me sens un peu coupable de ne pas avoir accompagné Gracia pour régler la bagarre entre son mari et son employé. Ah non. Enfin, c'est une chose que vous soyez amis et que tu sois auprès d'elle. Et c'en est une autre qu'elle veuille t'inclure dans ses affaires amoureuses. Non, mais je ne vois pas d'autre raison pour laquelle Rolando voudrait tuer German. Ah, Gracia, enfin te voilà. Oui, oui, j'ai écouté le message que tu m'as laissé sur le répondeur. D'ailleurs, Sébastien m'a dit que Rolando a menacé German avec un pistolet. Ah, oh, j'ai eu tellement peur qu'il lui tire dessus. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Rolando et deux types de la sécurité sont en train de surveiller German pendant qu'il récupère ses affaires. Comment? Rolando a pris la décision de renvoyer German, mon collaborateur le plus dévoué? Angela, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, Gracia, c'est vraiment très grave. Réponds une fois pour toutes, enfin, réponds! Gracia, tu vas avoir plus que jamais besoin de ce cœur de pierre qui te caractérise pour régler cette histoire. Qu'est-ce qui se passe, Angela? Rolando a accusé German d'être l'amant d'Elena. Quoi? Eh bien, peut-être que je serais capable de tuer mon rival. Enfin, si j'étais le mari et que quelqu'un essayait de me voler ma femme... Je ne crois pas que ça fasse plaisir à Rolando. Non, mais attention, toi, oui. Ça ne me fait pas plaisir non plus. Ok, je comprends, mais tu ne peux pas nier que c'est sympa comme ragot. Regarde, le mari et l'amant qui se disputent pour l'amour de l'une des femmes les plus accomplies au Mexique. German assure que ce n'est pas vrai, que c'est juste un mensonge. Où est Elena? Elle a vu Rolando menacer German avec un pistolet? Non, non, heureusement que non, mais c'était un spectacle terrible. Trouve où elle est et dis-lui de venir immédiatement. Tu es sûre? Mais bien sûr, il faut tirer ça au clair. Qu'est-ce que tu veux, Angela? Elena, ta maman a besoin que tu viennes immédiatement à l'entreprise. Oh non, maintenant? J'ai pas mal de choses à faire au club et... Mais c'est très important, Elena. Vraiment, ta mère est très en colère. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ton père est au courant qu'il y a quelque chose entre German et toi. C'est vrai? Quoi? Non, non, mais c'est pas vrai. Dans ce cas, tu vas venir, n'est-ce pas? Oui, écoute, je pars, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Angela, tu sais que ni moi ni German ne serions capables de faire une bêtise comme ça. S'il te plaît,
Toi qui as toute sa confiance, essaye de la convaincre le temps que j'arrive, d'accord? Je t'en supplie. Maintenant, ça y est, Enrique. Tu vas enfin faire le boulot pour lequel on te paye, Germaine et moi. Allez, dépêche-toi un peu, on y va! Je ne sais pas. J'ai senti Gracia très mystérieuse quand vous étiez en train de parler. Vous avez parlé d'autre chose que son divorce? Tu vois que tu aimes les ragots, toi aussi, hein? Bien sûr, c'est mon activité favorite. Eh bien, je n'ai pas vraiment tout compris. Mais une chose est sûre, elle voulait me demander de te surveiller. Toi, me surveiller? Oui, elle m'a dit que tu étais impliqué dans une affaire. Mais je n'ai pas bien compris à quoi elle faisait référence. Tu sais que tu es vraiment têtu, hein? Je ne sais pas, on aurait pu revenir demain pour cette fameuse liste. Non, la directrice a dit qu'on pouvait la chercher dans les archives mortes et l'envoyer dès aujourd'hui. Pourquoi attendre encore? Ne commence pas à m'énerver, Jennifer. Hey, tu ne comprends pas ce que ça veut dire être fugitive. Ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un nous voie, tu comprends? Qui va nous voir dans cet endroit, Jennifer? Qui? À mon avis, Gracia n'a pas été satisfaite de ce que je lui ai dit. Et elle veut avoir bien plus de détails sur ce qu'a dit le patron de Valeria. Tu sais, cet homme mystérieux qui ne montre jamais son visage. Tu l'as contacté? Non. C'est lui qui m'a appelé. Pourquoi faire? Il veut m'offrir toutes les ressources dont il dispose pour que je retrouve Valeria. Vraiment? Enfin, il apprécie Valeria à ce point? Oui. Il est absolument certain que Valeria court un grave danger. Allez, dépêche-toi un peu, d'accord? Messieurs, s'il vous plaît, sortez d'ici. Non, ils n'iront nulle part. Ici, c'est moi qui donne les ordres. Fais ce que tu veux. Tu peux me dire de façon civilisée, sans crier, ce qui te prend pour faire un tel scandale? Je protège ma fille, moi. Elena, qui est presque encore une enfant. C'est toi qui l'as poussée dans les bras de ce dégénéré. Mais tu es fou ou quoi? Tout ça est faux. Je te le jure. Tu n'es rien d'autre qu'un sale lâche. Et toi, Gracia? Tu lui as donné Elena en échange de sa promesse de te laisser le champ libre pour conquérir Sébastien. Mais de quoi est-ce que tu parles? Tu es devenu fou, Germaine. De quoi est-ce qu'il parle? Attends, Sébastien. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Valeria est en danger. Et encore pire, il y a beaucoup de gens qui soupçonnent Gracia. Oui, Hector. Et d'après ce que j'ai compris, cet homme a de très bonnes raisons d'avoir une mauvaise opinion d'elle. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais te dire, parce que je ne sais pas si je peux faire confiance à quelqu'un d'autre. Mais tu dois me promettre que tu ne le diras absolument à personne, Hector. Non, je te le jure. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il a dit? Cet homme a le visage brûlé. Et il m'a dit que c'est Gracia la coupable. Qu'elle a essayé de le tuer il y a quelques années. Et ne songe plus jamais à dire des aberrations comme ça, ou bien tu vas le regretter. Et dans ce cas, comment tu expliques que cet animal soit ton amant et aussi l'amant de ta fille? Ça suffit! Tout ça est totalement faux! Mais il ne veut pas m'écouter! Tu es sûr que c'est faux? Gracia, je te le jure. Écoute, Valeria, ok, oui. J'ai été très audacieuse avant, et j'allais d'un endroit à un autre quand la police me recherchait. Mais là, c'est différent. Pourquoi? Parce que la police n'est pas la seule qui cherche à nous rattraper, ok? Il y a aussi... Aussi qui, Jennifer? Aussi Gracia del Sol? Non, je n'ai pas dit que cette femme... Je parle juste de ces gens qui veulent nous faire disparaître de la carte. Et le plus inquiétant, Hector, c'est que le type habite juste en face de la maison de Gracia. Comment ça? Et Gracia ne l'a pas vu? Non. La première fois que je suis allé le voir, Gracia m'a appelé sur mon portable pour me faire sortir. Attends, elle t'attendait dehors? Oui, oui. Elle venait d'apprendre que le patron de Valeria vivait ici. Et elle était furieuse. Bon sang, mais attends. Mais comment elle l'a appris? Par Victor. Et il lui a également dit que cet homme était un ennemi de son passé. Eh bien, dans ce cas, ça concorde avec ce qu'il t'a raconté. Que Gracia a essayé de le tuer il y a longtemps. Tu vas le croire? Cet imbécile? Tu ne te rends pas compte qu'il te ment? Et comment peux-tu en être aussi sûr? Tu as des preuves? Évidemment! Je les attends alors. Soledad m'a dit qu'Elena elle-même lui avait assuré qu'elle était la maîtresse de ce salaud. Gracia, j'ai déjà dit à Rolando qu'Elena l'a peut-être fait pour vous provoquer.
Il faut que tu parles à ta fille. Tu devrais avoir honte de toi, hein. Valéria, allons-nous-en, d'accord? Parce que moi, je ne suis pas du tout à l'aise dans cet endroit. Je ne partirai pas d'ici sans cette liste. Valéria! Eh bien, va-t'en, Jennifer. Je t'ai dit que je n'ai pas peur que la police me trouve. Alors tu n'as pas non plus peur de ceux qui pourraient faire du mal à Sébastien et à sa petite fille? J'ai besoin de cette liste de noms. Très bien, c'est bon. Je vais te laisser tranquille, regarde dans quel état tu te mets. Tu m'as dit ça tout à l'heure et tu ne le fais même pas. Gracia m'a assuré qu'elle n'avait pas eu d'ennemis dans son passé. Et honnêtement, je ne suis pas sûr qu'elle voit de qui il s'agit. Attends. Victor connaît ce type mystérieux. Je pensais qu'il était seulement son représentant quand on a fait le contrat de vente de Las Gaviotas. Apparemment, cet homme montre parfois son visage, mais à ceux qui l'intéressent. Comme il l'a fait pour moi. Et il a sans doute demandé à ces personnes de ne pas révéler son identité, parce qu'il ne veut pas que Gracia apprenne qui il est. Ah, mais oui. Oui, ça semble logique. À part toi, qui le connaît? Rolando, Victor, Valéria. Valéria. Elle le respecte beaucoup parce qu'il l'a soutenue. Bon, et manifestement, maintenant, il veut la protéger. Je ne sais pas. Je sens qu'il y a quelque chose qu'il ne m'a pas dit, et ça doit être la véritable raison pour laquelle il veut que je retrouve Valéria en vie. Ça ne serait pas parce qu'il est intéressé par elle? Elena ne mérite pas que tu aies une mauvaise impression sur elle, Gracia. Elle a fait tellement d'efforts pour gagner ta confiance. Pour l'instant, je ne vais rien faire. Mais toi, German, tu ne peux pas quitter l'entreprise. Bien sûr que non. Je suis le plus déterminé à tirer toute cette affaire au clair. Il faut que tu me croies. Si c'est vrai, tu n'auras pas besoin d'un pistolet pour en finir avec German. Je pourrai m'en occuper pour toi. Mais enfin, ce n'est pas vrai. Mais si tu te bases vraiment sur l'affection démesurée que ta maîtresse porte à Elena et sur ta peur absurde que ma fille me ressemble un jour, celle qui devra affronter ma colère, c'est Soledad. Où sont mes parents, Angela? Elena, ils sont toujours dans le bureau de German. Ok, allons-y. Elena, tu es sûre que tu vas pouvoir régler tout ça? Oui, Angela, je te le promets. Oh, j'espère que ces jeunes gens vont régler cette histoire. Je n'arrive pas à croire que German soit capable de faire une chose aussi horrible. Si tu ne me soutiens pas dans tout ce que je dis, mon plan s'effondre et tout le reste avec, Enrique. Oui, c'est compris? Oui, bien. J'ai compris, mais ça va être difficile. Non, ce qui sera difficile pour toi, c'est si je demande à German d'en finir avec toi. Parce que tu es lâche et surtout parce que tu ne sais pas tenir ta langue, ok? Je vais jouer le tout pour le tout. Attends un peu, il faut qu'on réfléchisse d'abord. Non, ne fais pas l'imbécile, ça t'arrange bien si je gagne. Très bien, allons-y. Je suis là, alors qui y a-t-il? Elena. Oui, papa. Surtout pour toi, parce que je suis sûre que c'est toi qui as commencé toutes ces âneries. Non, Hector. Je ne crois pas que ce type ait des intentions déplacées envers Valéria. Bon, alors dans ce cas, c'est très bizarre. Tu sais pourquoi il m'a dit que c'est Gracia qui l'avait défiguré? Pour que je croie au fait qu'il veuille protéger Valéria de Gracia. Tu en dis quoi? Non, franchement, Sébastien, je suis aussi perdu et intrigué que toi. Et si c'était la vérité? Quoi? Que Gracia soit assez dangereuse pour faire du mal à Valéria. Dans ce cas, ne la provoque pas. Parce que ce qui est sûr, c'est que Gracia te veut pour elle. Je ne me pardonnerai jamais s'il arrivait quelque chose à Valéria à cause de moi. Eh bien, si tu as des doutes, reste bien proche d'elle et surveille-la. Désolé, mon ami. Tu es dans une situation où tu dois te méfier de tout le monde. Valéria González, j'ai de très bonnes nouvelles. C'est pas vrai. Vous l'avez trouvée? C'était dans les archives mortes? Oui, Valéria. On vient de me l'envoyer. Oh, mon Dieu, merci, merci. Oh, je n'avais jamais vu autant d'amour venant d'une fille pour sa mère, qu'elle ne connaît pas, dont elle ne connaît que le nom. C'est sûr, moi non plus. Valéria est spéciale. Et grâce à cet amour que tu ressens, tu m'as convaincue d'accélérer les recherches. Vraiment, j'espère que ça te servira. Merci. Surveiller Gracia? Par amour pour Valéria. Et si ce n'était pas vrai?
Si Grecia était innocente de ce dont on l'accuse. Eh bien, dans ce cas, tu n'auras pas fait de mal à Grecia, et donc vous pourrez rester amis. J'ai hâte que Valeria revienne. De la prendre dans mes bras, de l'embrasser, qu'elle m'explique tout ce qui s'est passé. Eh bien, ça mettrait un terme à nos doutes. Et ça m'énerve de ne pas comprendre pourquoi cet homme et Grecia ont des versions si différentes tous les deux. Je vais commencer tout de suite à chercher tous les anciens colocataires de Dulce Maria. L'un d'entre eux doit savoir quelque chose. Ah non. Oui, Mademoiselle Gonzalez et son amie sont ici avec moi. Valeria, attends. On vient de me donner une information qui peut te servir. Vraiment? Qu'est-ce que c'est? Un homme est resté 2 ans au foyer et la directrice s'est souvenue qu'il était ami avec Dulce Maria Rios. Je suis ici parce que votre secrétaire a insisté, mais je ne peux pas aller et venir sans arrêt. Il pourrait s'en rendre compte à la maison. J'ai pris mes précautions. Je voulais te voir. J'ai besoin de quelque chose. Non, non, monsieur. Vous ne pouvez pas disposer de moi. Je vous ai dit que je vous aiderais à la condition de tout me raconter sur Grecia. Je n'oublie pas que tu souhaites connaître ses faiblesses pour protéger ta petite fille de ses griffes. J'imagine qu'Elena sait qui est sa mère, n'est-ce pas? Comment vous le savez? Parce que je vous observe jour et nuit, hein? Et je vois que vous vous disputez toute la journée. Oui. Ma fille m'a entendu et on n'a pas eu d'autre choix que de lui dire la vérité. Je crois que ça n'a pas dû lui plaire d'apprendre que tu es sa mère. Je te rappelle que tu n'as pas besoin de faire semblant avec moi. Je suis au courant de tout. Elena refuse que Grecia soit au courant. Elle ne veut pas renoncer au privilège qu'elle a en étant son unique héritière. Même si elle n'a pas le même sang que cette femme, elle a bien copié ses manières. Voici les informations. Merci. Elle n'a pas dit pourquoi il la cherchait? Il cherchait aussi un ancien ami et il voulait son adresse. Bien sûr. Des liens très forts peuvent se créer dans les foyers. Certains finissent même par se considérer comme frères et sœurs. Tu es bien informée, hein? Oui, madame. Je suis assistante sociale et j'ai travaillé avec des enfants dans des situations lamentables. Ah, bien. Bon, dans ce cas, je pense que tu arriveras à convaincre cet homme de te parler, non? J'espère bien. Je pense qu'il comprendra à quel point je recherche désespérément ma mère. Je sais qu'il va m'aider. J'espère seulement que tu ne cherches pas à défendre ce sale type. Sherman n'a absolument rien fait, papa. Il n'a rien fait d'autre que me soutenir. Quoi? D'ailleurs, c'est toi-même qui m'as dit qu'il était l'amant de maman. Oui. Oh, Elena, ce n'est pas le sujet, hein? Pardon, maman. Alors, papa, qu'est-ce qu'elle cherche, Soledad, en allant raconter des mensonges aussi cruels? Écoute, c'est un mensonge, maman. Je suis ta fille, jamais je te ferai ça. Enrique est mon petit ami. Tu n'as qu'à demander à Soledad parce que je te signale qu'elle est déjà au courant depuis très longtemps. Vous êtes ensemble? Et on verra bien si ta petite maîtresse ose le nier.